Rappelle ton prénom simplement. Catherine. Catherine, yes. Donc on va voir comment ça se passe. Hein. Allez Catherine, on va faire un truc très simple. Tu vas me donner tes mains, hop, hop, tu les mets là comme ceci. Et tu vas juste focaliser l'attention sur l'espace qu'entre tes deux mains, d'accord? Et juste ici là, tu vas imaginer que au moment où je vais enlever mes doigts, que tes deux mains sont attirées comme des aimants les plus puissants. Donc tu focalises bien ton regard sur l'espace qui est entre tes deux mains, parce que dans un moment, tes deux mains vont se toucher. Prêt? C'est parti maintenant. Très très bien, voilà, très très bien. Maintenant tu vas imaginer ici que ces deux aimants qui sont à l'intérieur, je les ferai jamais à l'extérieur. Ici maintenant, tu es attiré à l'extérieur. De plus en plus, de plus en plus. Ah, parce que ce qui est drôle, c'est que maintenant, on va faire descendre tout simplement cet aimant vers le bas et je vais là vers le haut. Et de plus en plus, de plus en plus. Ok, super. Très très bien. Voilà. Bon, bah, ça c'est. Hein? Ouais. D'accord. Donc, c'est un niveau quoi ça pour toi? Là, elle est en niveau 2 en fait. Niveau 2? Oh, okay. Tu vois, regarde ses yeux, ils bougent presque plus. Exact. Ok, on va faire un deuxième test. Hop, tu regardes ta main ici. Tu la regardes tout simplement. Et tu vas la fixer de plus en plus en imaginant que d'ici à là, tu as une espèce de lien. Un lien extrêmement puissant. Tellement puissant que tu imagines que cette main est attirée irrémédiablement par le visage. De plus en plus. De plus en plus. Voilà, et de plus en plus. Voilà, et quand elle va toucher le visage, voilà. Allez, dors. Voilà, tranquillement, tu peux rigoler exactement comme ça, tu te relaxes tranquillement, tu te sens merveilleusement bien. Merveilleusement bien, c'est très très bien, super. Ok, à partir de maintenant, on va faire un petit test. Tu vas tout simplement imaginer que le chiffre 1 disparaît, n'existe plus. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas imaginer que juste en face de toi, il y a un tableau. Un tableau, et tu vas pouvoir utiliser tout simplement une éponge qui est dans ta main, juste dans cette main-là. Là. Hop, un peu comme toi, c'est bien. Ok, tu l'attrapes, l'éponge. Et là, tu vas pouvoir tout simplement effacer sur le tableau ce chiffre que tu vois écrit. Allez, efface-le. Tu l'effaces complètement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Quand il n'y a plus rien, tu peux t'arrêter. Voilà, il a complètement disparu. Très, très bien. Et maintenant, dans un moment, je vais te demander d'ouvrir les yeux. On va pouvoir compter ensemble, tout simplement, jusqu'à 10. Et ouvre les yeux. On va tester. Hop. Allez, j'ai combien de doigts là? 10. Ok. On y va. Comment tu commences? Par ici. 2, 3, 4, ouais. 5, 6, ouais. 7, ouais. 8, ouais. 10, ouais. 11. J'ai 11 doigts? Mais recommence par ici pour voir. Recommence. On va recommencer. Allez. Test, on va recommencer. Fais-toi plaisir simplement. Fais-toi plaisir. 2, 3, 4, 5, 6, ouais. 7, 10. J'ai 11 ans maintenant moi. Je comprends pas. Ok, hop, le chiffre il revient immédiatement. Très bien. Tu recomptes? 1, 2, super. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà, super. J'ai très très bien. Ok, tu verras. Allez, on va faire un deuxième. J'ai juste tombé sur 11 ans. Allez, on va faire un deuxième truc tout simplement ici. Hop, ton bras il est droit, tu l'observes et tu le fixes ton bras. Tu le fixes et t'imagines qu'il est dur, dur comme une barre de fer, extrêmement dur. Dur comme une barre de fer, tellement dur que quand dans un moment tu vas essayer de le plier, tu ne pourras pas le plier parce que plus tu vas essayer, moins tu vas y arriver, plus il va être dur, dur comme une barre de fer. Plus tu vas essayer de le plier, moins tu vas y arriver, plus tu vas essayer, moins tu vas y arriver. Essaye de le plier, moins tu y arrives. Essaye de le plier, moins tu y arrives. Ok, dès que je le touche, tu peux le plier. Hop, tu peux le plier de nouveau. Oh, super, tout se passe bien. Ok, très très bien. Allez, hop, de nouveau, tu regardes ta main. Et maintenant, immédiatement, tu fixes ta main et pareil, tu la fixes. Et plus tu la fixes, et mieux tu te sens. Plus tu la fixes, et mieux tu te sens, et mieux tu te sens, plus tu la fixes. Exactement comme ça, et de plus en plus. Comme si la main était attirée par le regard, par le visage. Et de plus en plus. Dans un moment, cette main va toucher le visage. De plus en plus. Dors. Voilà, tranquillement. Tu te sens merveilleusement bien. Super, très très bien. Tu te sens tellement bien maintenant. Et tu as commencé à te mettre à rigoler, à rire. Tu sais pas pourquoi, tu rigoles. De plus en plus fort, exactement comme ça. Voilà, très très bien. Là maintenant, à chaque fois que je vais toucher, ici le genou, à chaque fois que je touche le genou, tu vas rigoler de la même manière et tu peux rigoler, garder les yeux ouverts. Ferme les yeux immédiatement, très très bien. Très très bien, ok. À partir de maintenant, on va jouer un petit jeu. Est-ce que tu es d'accord pour jouer un petit jeu? Oui. Très très bien. Ouais, tout simplement, on va vérifier quelque chose ensemble. Tout simplement, quand je vais dire « tu ne vois plus », tout ce que je désigne juste après n'existe plus, comme si ça n'existait plus, comme si c'était effacé, comme si ça n'avait jamais existé. D'accord? Alors, je recommence, je redis, de nouveau, quand je dirais tu ne vois plus, tout ce que je vais dire après, que je désigne,
comme si ça n'avait jamais existé. Que tu ne peux plus voir, plus entendre, plus rien. Ok ? Hop, tu ouvres les yeux, tranquillement. Ça va ? Oui. C'est quoi ton prénom ? Madame. Et toi, c'est ? Justine. Justine. Tu ne vois plus Justine ? Elle est où, Justine ? Elle est où ? Hop, tu la revois, de nouveau. Justine est là. Intéressant, hein ? T'as bien un truc ? Dis-moi. Ouais, je t'explique. D'accord. Là, au moment où elle ne peut plus voir, tu regardes. Tu en fait... Non, du tout. Ça va ? Ça va ? Oui. Ouais. Et plus on parle, et plus tu te sens bien. Tu te sens bien. Tu te sens bien. D'ailleurs, tu vas rire. Tu vas rire énormément, rire. Et plus on parle, et plus tu nous entends, et tu sais pas pourquoi, c'est comme si on parlait martien. Et plus tu entends ma voix, et plus ça te fait marrer. Et moi, tu comprends ce que je dis. En fait, elle est dans un truc où elle tourne pas complètement la tête. Que le subconscient n'en rentre pas en opposition. D'accord. T'as vu ça ou pas ? Non, j'avais pas vu. Okay. Tu te sens bien ? Oui. Ok, oui. Nickel. Okay. Par martien ou pas ? Les yeux. Hop, très très bien. Hop, les yeux. Hop, très très bien. Tu te sens merveilleusement bien. Très profondément. Dès que je vais toucher l'épaule, c'est comme si tu pouvais entrer encore plus profondément à l'intérieur de toi-même quand je touche l'épaule comme ça. Très très bien. Et maintenant, à chaque fois que tu vas parler, pour nous répondre, tu vas parler en martien. En martien. Quoi qu'il va arriver, tu vas parler en martien. Dès que tu ouvres la bouche pour nous parler, pour répondre à nos questions, tu vas parler en martien. Allez, tu ouvres les yeux. 1, 2, 3, tu ouvres les yeux. Hop. Ça va ? Parle, Mickaël. On va où demain ? Eh, ça a l'air sympa où vous allez ? Ouais, tu peux un peu nous raconter cette histoire-là ? Sérieux ? Qu'est-ce que t'en penses, Jimmy ? Je sais pas, ça a l'air d'être marrant comme histoire. C'est sympa ou pas ? Ok, très bien. Hop, ça revient. Tout de suite, tu reparles normalement. Très très bien. Ça va ? Oui. Ferme les yeux. Hop, tu fermes les yeux, dors tranquillement. Tu dors. Très très bien. Ok, maintenant, tout simplement, quand nous on va parler, c'est comme si nous on parlait martien pour toi. Comme si tu comprenais rien à ce qu'on disait. On parle martien. Nous, on parle martien maintenant pour toi. Ouais, 1, 2, 3. Hop, tu ouvres les yeux. Ça va ? Ça va ou pas ? Eh. Eh, par contre, elle a une sécurité. Ah non. Ouais, il faut que j'y pense. Ça va ? Ok. Hop, ça revient. Immédiatement. Ça va ? Oui. Ok. Non, mais mets une sécurité là. Ouais. Très très bien. Tu vois le pourquoi du comment ? Oui, oui, oui. Parce que comment on fait pour revenir après ? Exactement. Très très bien. Ok. Ça va ? Tout va bien ? Oui. Ok, super. On va faire un dernier truc. Allez, hop. Tu regardes ta main de nouveau. Tu la fixes. Mais plus en plus, tu la fixes. Tu la regardes, et plus tu la regardes, mieux tu te sens. Mieux tu te sens, plus tu la regardes. De plus en plus, la main t'attirée par le visage. Hop, dors, tranquillement. Tu te sens merveilleusement bien. Merveilleusement bien. À présent, on va jouer un petit jeu. Quand je vais dire le mot freeze, tu vas te figer. Figer comme une statue. Tu vas faire une pause. Le corps est en pause. La tête est en pause. La pensée est en pause. Tout est en pause. Figé comme une statue. La pensée aussi. Quand je dirai le mot défreeze, tout redevient normal. Tu pourras bouger les bras, les jambes. Tu pourras nous entendre, parler normalement. Tout parfait. Et nous regarder normalement. Et entre le moment où je veux dire freeze et défreeze, c'est comme si le temps s'était envolé. Comme si le temps n'existait plus, comme si c'était envolé, comme si en fait rien ne s'était passé. Quand je dirai le mot freeze, tu seras en pause et figé comme une statue, avec la pensée, le corps. Quand je dirai le mot défreeze, tout redeviendra normalement. Allez, ouvre les yeux. 1, 2, 3, ouvre les yeux. Ça va ? Ouais. Ça dépend, oui. Alors, on va faire un petit test avec vous, parce que le but c'est que vous puissiez en profiter vous aussi. Regarde, tu fumes quoi comme cigarette ? Celle-là ? Prise. Tout fige, tout s'arrête. Freeze, tout s'arrête. Défreeze. C'est pas quelle que tu fumes ? Non. C'est celui-là ? Oui. C'est un tour de magie ça. Freeze. Défreeze. Je comprends. Il y a deux secondes, j'avais le paquet. Freeze. Défreeze. Je comprends rien. Non, c'est de la magie. C'est de la magie en fait. C'est de la magie. Magie. Ok, très très bien. Allez. Tout redevient normalement maintenant, tout se passe bien, tout redevient normal, tu te sens merveilleusement bien,
Allez, ferme les yeux tranquillement. Voilà, très très bien. Et maintenant, tu vas te concentrer et aller chercher tout. Tu vas te sentir merveilleusement bien. Tous les moments, tu te sens bien, ils remontent à la surface. Là, tu te sens merveilleusement bien. Tu souris de plus en plus, tu te sens merveilleusement bien. Merveilleusement bien, tu te sens plein d'énergie. Plein d'énergie prête à faire la fête, t'amuser avec tes copines, tu te sens merveilleusement bien. Et quand je te demanderai tout à l'heure de revenir parmi nous, avec tes copines, tu te sentiras encore merveilleusement bien. Cet état pourra continuer. Continuer toute la journée, jusqu'à la fin de la journée, tu te sentiras merveilleusement bien, exactement comme tu te sens maintenant. Très très bien, ok, je vais décompter de 5 à 1. À 5, cet état va commencer vraiment à s'ancrer en toi. À 4, tu vas pouvoir commencer à bouger les bras. À 3, tu vas pouvoir commencer à cligner des yeux. À 2, tu vas bien pouvoir nous voir. Et à 1, tu seras merveilleusement bien et revenu ici et maintenant avec nous. 5, 4, 3, 2, 1, ici et maintenant. Ça va? Oui. Tu te sens bien? Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça m'a broyé.